Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'un inédit en Blu-ray qui m'a été envoyé par The Jokers, l'éditeur. Il s'agit du film The Host, un film de Bong Joon-ho. Alors je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Un réalisateur que je connais pour avoir vu certains de ses films, Memories of Murder, je l'avais vu, et surtout Parasite, que j'avais vu il n'y a pas très longtemps, que j'ai beaucoup aimé Parasite. C'était une belle surprise ce film. Alors The Host, je l'ai pas vu celui-ci. Je sais que globalement les avis sont très très positifs. Tous ceux qui m'en ont parlé m'ont dit que le film était génial. J'ai jamais eu l'occasion de le voir et là, ce sera vraiment une très très belle occasion de le découvrir dans une a priori superbe édition, enfin, en tout cas bien balèze. Donc on va voir si l'édition est réussie. Alors ce film est sorti en 2006, il y a eu un énorme succès, parce que je crois qu'il y a du côté 10 ou 15 millions de dollars, il en a rapporté 95 je crois. Bon, en France il n'y a pas fait beaucoup d'entrées, hein. Il a fait un peu plus de 100 000 entrées, par contre en Corée d'où il vient, il a fait plus de 13 millions d'entrées, donc gros succès là-bas. Donc déjà vous, si vous avez vu ce film, dites-le moi dans les commentaires. Alors ça nous sort uniquement dans cette édition-là pour l'instant. Je ne sais pas s'il y aura un Blu-ray amarré ou une édition un peu plus light qui sortira prochainement. Cette édition sort au prix de 70€, donc on va voir si le prix est justifié en vue du contenu. Vous pourrez me donner votre avis dans les commentaires. Allez, on va faire le tour de la boîte et puis après je vais vous la déballer. Ici sur la face avant, on a une illustration originale qui a été faite par Madison Kobe. Donc une illustration qui permet d'avoir quelque chose d'alternatif par rapport à l'affiche d'origine. Alors ce film arrive pour la première fois en 4K Ultra HD, je crois qu'il était ressorti au cinéma en plus il n'y a pas très longtemps, donc 4K Ultra HD et Blu-ray, et vous avez également un Blu-ray bonus, un 3 disques, un 4K Blu-ray et Blu-ray bonus. Bon, on va regarder la boîte en détail juste après quand je l'aurai déballé. Alors déjà au niveau du contenu, au niveau des langues, sur la VO, c'est du Dolby Atmos 7.1.4 et du DTS HD Master Audio 5.1 pour le français. Concernant le Blu-ray, c'est la même chose, de l'Atmos 7.1.4 et du DTS Master Audio 5.1 pour la version française. Le film dure 2 heures, l'image c'est du 1.85, donc 16/9. Vous avez le disque bonus avec 3h34 de bonus. Et au niveau des bonus, ils sont indiqués ici, donc édition limitée unique au monde, hein, donc c'est vraiment une sortie unique au monde. Vous avez le film restauré en 4K, vous avez une illustration créée par l'artiste Madison Kobe, ce que je vous disais juste avant. Vous avez le storyboard complet avec des planches inédites de 334 pages, un packaging d'exception sans plastique et un visuel panoramique. Et puis, bien évidemment, vous avez le film. Donc au niveau des bonus, hormis le storyboard, vous avez Histoire de famille, donc c'est un documentaire de 52 minutes, Masterclass du réalisateur au Grand Rex en février 2023, 1h14, du storyboard à l'écran, donc il y a 5 modules de 7 minutes, aux origines du film, 10 minutes, le réalisateur en action, 3 minutes, dans la tête du monstre, 14 minutes, de l'animatique au rendu final, 12 minutes, la communauté de Veta, 6 minutes, la famille Park, 4 minutes, le design de la créature, 11 minutes, créer le monstre, 21 minutes. Ensuite, vous avez une rencontre avec le réalisateur, des scènes coupées, un autre documentaire et bande annonce. Voilà, c'est blindé de chez blindé au niveau bonus. Donc vous avez de quoi faire si vous êtes fan du film. Vous avez de quoi aller vraiment plus loin quand vous aurez vu le film. Allez, je déballe l'édition. Voilà, c'est déballé. Alors le petit feuillet ici avec les informations, il s'en va. Et ça laisse apparaître cette illustration. C'est assez sympa quand même, hein, cette illustration, que ce soit l'avant ou l'arrière. Avec une continuité, donc ça on verra ça quand on ouvrira la boîte. Alors comment ça s'ouvre? Alors c'est aimanté, oui c'est ça, c'est aimanté. Donc ici on a le Blu-ray et la version 4K Ultra HD, avec des artworks différents sur chacun des disques. Donc les disques sont fixés avec des petites mousses. Là vous avez le troisième disque bonus, et en dessous il n'y a rien de particulier. Ensuite ici, j'ai l'impression qu'on a le bouquin, enfin le storyboard sur le côté. Hop, j'ai fermé la boîte pour pouvoir sortir plus facilement. Bien, bien, bien balèze. Hein. Quand je mets à plat, vous voyez que ça fait une illustration panoramique. Voilà, là vous voyez ce que ça peut donner. Donc ça c'est quand vous avez le coffret ouvert. Donc je vais mettre ça sur le côté, et puis on va regarder le storyboard. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous passer toutes les pages.
Vous voyez, c'est assez énorme. Donc là, vous avez tout le storyboard. Voilà, si vous êtes vraiment fan, vous pouvez regarder comment tout ça a été fait. Bon, vraiment, tout est inclus dedans. Voilà, donc vraiment gros bouquin, très balèze, et qui s'intègre directement ici sur le côté. Vous voyez, avec une belle illustration aussi dessus. Hop, ça se range là. Et vous avez votre coffret qui se ferme comme ça, c'est aimanté. Donc c'est vraiment une très très belle pièce, assez quand même imposant. Mais vous avez la version 4K Ultra HD, le Blu-ray bonus, le storyboard. Et puis c'est un inédit en 4K Ultra HD. En Blu-ray par contre, je crois qu'il était déjà sorti. Hein. C'est inédit surtout en version 4K Ultra HD. Et je crois que la version 4K Ultra HD est un inédit mondial. Donc voilà pour la présentation de cette édition de The Host. Donc édition unique au monde, hein, vous la trouverez qu'en France. Vous pouvez l'acheter directement sur le site de Jojo Cares. Et puis après, je crois que c'est disponible également chez Fnac, Amazon ou sur d'autres sites. Et cette édition est vendue au prix de 70€. Donc voilà pour cette présentation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt.